Sourate 89, l'aube. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Par l'aube, par les 10 nuits, par le père et l'impair, par la nuit quand elle s'écoule. Est-ce là un serment pour quelqu'un doué d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité Léade et Hiram, la ville à la colonne, une ville telle que jamais on n'en créa de semblable dans aucun pays? Et les Tamouds qui creusèrent le roc dans la vallée, et Pharaon avec ses épieux, enfin tous ceux qui, dans le monde, étaient rebelles et multipliaient les scandales. Ton Seigneur a bâti sur eux le fouet du châtiment, ton Seigneur est celui qui observe tout. Lorsque son Seigneur éprouve l'homme, en l'honorant et en le comblant de bienfaits, l'homme dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Quand au contraire Dieu l'éprouve en mesurant ses dons, l'homme dit « Mon Seigneur m'a dédaigné ». Non, vous n'honorez pas l'orphelin. Vous ne vous encouragez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Vous dévorez avec avidité les héritages. Vous aimez les richesses d'un amour sans borne. Non, quand la terre sera réduite en poudre, quand ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, ce jour-là, on amènera la géhenne. Ce jour-là, l'homme se souviendra. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, malheur à moi, si seulement j'avais préparé quelque chose pour ma vie future. Ce jour-là, nul ne châtiera comme Dieu châtie, et nul ne chargera personne de chaîne comme il le fait. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc avec mes serviteurs, entre dans mon paradis.